Salut à tous. Salut à tous et à tous, 0718. On se retrouve pour, comment dire, l'épisode 37 de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 2. Bah bon, si je me suis trompé, je regarderai, puis voilà. Voilà. Mais en France, t'es arrivé au monde de Tron. Est-ce que tu crois?
Avertissement. Accès non autorisé. Quel petit chef. Avoue que tu te régales. Qu'avez-vous chargé? Dépêche-toi, Léon! Voilà! Excellent! C'est ce que tu voulais? Quel étrange programme! C'est ma machine de bazar! Hein? Il y a un booster d'énergie pour moi. Et les consignes de vol pour le voilier solaire. Ça veut dire qu'on est prêt? Ah, comme disent les utilisateurs, on ne le saura qu'une fois qu'on aura essayé. Il nous faut un voilier pour atteindre le MCP. Allons en hangar de simulation. Soyez un peu sérieux. Le MCP ne nous laissera pas entrer comme ça. Thank you.
Évidemment. Mais laissez-moi tranquille. Oh putain, j'ai de la chance. Putain. Alors, si vous avez une technique pour éviter de tomber sur cette putain de mauvaise forme, faut pas me le dire parce que franchement, je sais pas ce qu'ils ont eu les développeurs comme l'ont fait. Mais ils ont eu la mauvaise idée de cette forme. Le FCP est droit devant. Cette fois, finissons-en. Il y a pas mal de coffres. Mais clairement, il doit pas jouer lui. Tout le monde du Milan aussi, moi, il doit aller. Il y a quelques plus. Bonus PC. Là. Carte. Compétences, que je peux mettre. Alors, une dernière force. On va être plus débloqué. Et ben non, parce que t'as pas ce PC. Voilà. Vous êtes qui avec moi? Plus fort que toi. Nous aurions pu faire une belle équipe. Occupons-nous du MCP. C'est ce truc, le MCP? C'est lui. Effrayant, non?
Tron. Tu ne comprends donc pas. Nous n'avons pas besoin des utilisateurs. Nous avons évolué. Ils sont devenus superflus. Fusionne avec moi. Et ensemble, nous pourrons gouverner ce monde. MCP, c'est toi qui n'as toujours pas compris. Voilà, maintenant on prend plus géante. Thank you.
Non. Ça de toi. Mais je suis encore loin d'être un utilisateur farfelu. Pas de problème. Je vais trafiquer ton programme une fois rentré chez nous. Toi? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Vous en dites quoi, les gars? Un trône qui chante et qui lance. Ce serait sympa, non? Sympa. D'accord. Mais avant d'être complètement déréglé... Sora, Donald, Dingo et tous les utilisateurs là-haut. Merci. Vous m'avez vraiment aidé. Grâce à vous, je suis beaucoup plus fort. Je comprends désormais le sens du mot amitié. Je ne l'oublierai jamais. Dès que je vous ai vu, j'ai su que nous allions vaincre le MCP et libérer le système. Ce que font les utilisateurs lorsqu'ils sont tristes de se quitter? Si, mais je suis pas habitué. Oh, Tron, on te le promet. Nous allons nous revoir très bientôt. D'accord. Eh bien... C'est promis. Où est-ce que tu vas? Oh, wow. Tron. Se calme vraiment dehors. Les seuls sans cœur qui restent sont ceux de la ville. Mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Parfait, il faut juste que nos trois soldats reviennent. Vous voilà! Bien joué, les gars! La ville, ça va? Impeccable! Le MCP ne fait plus du tout parler de lui. Cette fois, on est sauvés, grâce à vous. Hé hey! C'est quoi cette tête d'enterrement? Qu'est-ce qui s'est passé? Tron, ça fait d'acquisition. Et dire qu'il avait promis qu'on se reverrait. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Salutations, les amis. Le système fonctionne de nouveau. Tron! On reste en contact. D'accord. Ça, c'est chez moi. Fais pas ça, ça chatouille. Tron est chatouilleux. Et ça, ça fait quoi? Je t'en prie, arrête. Je crois que Tron a trop fréquenté notre trio. Attendez, attendez une minute. Je peux vous montrer ce que j'ai trouvé dans les archives du système. La ville telle qu'elle était lorsqu'on l'a construite. Cloud. Ah oui, le ciel ressemblait à ça.
la forteresse oubliée. Quel nom sinistre. Je me demande bien depuis quand elle s'appelle comme ça. Tu sais comment se nommait cette cité avant ? Non. Le jardin radieux. Quelqu'un qui est arrivé. On s'est mieux dépêché. Après, j'irai rechercher les derniers coffres. On va essayer de trouver quelque chose pour aller plus rapidement. Ah, voilà. C'est pas Sora. Allez, houhou. La technique pour les snobés sérieux. Remarquez une coupure. Puis je vous reprends quand je suis arrivé. Regardez qui est là. C'est quand même un petit salopard, hein, ce fureur. Parce qu'il apparaît au bout d'un moment, mais quand on a fini le deuxième fois, le mec de l'NCP, il apparaît. Logique. La logique, s'il vous plaît. Tout le monde, je pense qu'il doit dire plus tôt qu'il était là, quand il y avait la grande bataille. Bon, en fait, pour la première fois, le boss de l'organisation prêt, il est apparu. Voilà, il a fait des commentaires tout là-haut et tout ça, sur sa part de ténèbres et tout. Donc, vous êtes sauvegardé. Vous êtes passé encore pas évidemment deux parties. Je vais aller voir du temps vite fait dans le monde du blind parce que je me sens que j'ai oublié des coffres. Au plus vite. Bah oui, des coffres. Lui, il avait oublié. Ah, un nouveau bouclier. Carte. Recalque. La droite c'est pas viscéré. Ah bah voilà. Donc la dernière à droite, c'est pour qu'on ait des blocs. Formule. Bon, sur ce, on va équiper le bouclier de Dango. Sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si vous n'avez pas déjà fait. Sur ce, à plus.